Un mode de jeu public permettant de contrôler Bowser dans la plupart des royaumes est sorti il y a quelques mois. Cependant, il me plaisait pas du tout et je vais vous expliquer pourquoi. En fait, déjà Bowser n'était pas présent dans tous les royaumes et en plus de ça, on pouvait même pas le quitter sauf si on touchait de l'eau, ce qui est vraiment pas pratique. Du coup, c'est là que notre sauveur et héros intervient, Fuddy. Du coup, je suis allé voir mon modeur en lui disant est-ce que tu peux pas faire un mode en partant de zéro histoire d'avoir un truc propre à présenter. Et du coup, il y a beaucoup plus de Bowser qui ont été ajoutés et en plus de ça, il peut prendre des lunes qu'il ne pourrait pas prendre normalement étant donné que des plateformes ont été ajoutées dans le jeu de base pour lui permettre de les prendre. Et enfin, comme on aime le travail bien fait ici, on peut quitter Bowser comme on le souhaite. Je vous laisse donc avec le best-of du live ayant eu lieu sur ce mode. Vous souhaitez un bon visionnage. Ah ouais ouais, il est là dès le début. Hein. What the fuck, t'as un costume. Mais ouais, mais c'est marrant parce que c'est quand même quelqu'un qui pense à tous les détails. Tiens, mais c'est quand même bien fait ça. Il y en a un juste là. Eh, hey, réveille-toi quand... Aïe aïe aïe, c'est parti. Quand je vous dis que c'est quelqu'un qui fait bien son boulot, qu'est-ce qui se passe si je quitte Bowser? Il se passe ça en fait, il meurt. Mais du coup vous allez me dire, bah mais c'est chiant parce que du coup... Eh bah non, parce que là du coup je peux faire ça. Et j'ai direct un autre Bowser ici. Et oui, Peach qui meurt, by the way, un Peach qui n'a aucun respect. Peach on s'en bat les couilles, vraiment. Elle est là sur ton épaule alors qu'au final on doit la sauver plus tard. Ça n'a aucun fucking sens. Papa pouette. Il a mis un petit bloc là. Ah ouais, voyez ça. Ça c'est quelqu'un qui a bien travaillé, bien fait. Ouais, ouais, ouais. Oh mais mec, mais en fait ça va tellement... Mais il va tellement vite en vrai. Mais mec, Bowser va si vite. La salle on l'a fait plus vite que quand tu l'as fait en speedrun. C'est fou ça quand même. Je vais vous montrer. Qu'est-ce qui se passe si on prend Bowser et qu'on veut taper Topper? Ça fait rien. En fait on peut pas prendre de dégâts. Lui, t'aura beau lui cracher une boule de feu, il s'en bat les couilles. Et si tu sautes dessus, il s'en bat les couilles aussi. Il est là juste pour esthétique quoi. Topper l'invincible, c'est un peu ça. Hein. Il pourrait avoir une grosse barre de vie à la Dark Souls, c'est limite. En vrai, un mode. Où les boss ils ont une barre de vie comme ça, ce serait incroyable ça. Alors par contre, est-ce que ça je peux les péter avec lui? Ah ça, ça fonctionne. Mais attends, mais du coup ça veut dire que... T'es un gamin. J'avais pas vu. T'es un gros gamin, Fuddy, il est où le chomp? Ça parce que tu veux montrer qu'on peut faire ça? T'as carrément retiré le... Il a carrément retiré le chomp, ça fait... Pourquoi il y a de lune? Il a mis de lune genre. Non mais je pense que c'était pour me montrer qu'on pouvait péter le bloc en fait. Hop là, reviens là toi. C'est parti, j'arrive Pascal, je te prends quand tu... Ah non mais c'est vrai qu'il se balade pas dans ce monde là. Attends, on va essayer de faire son dino. Non, ça marche pas pour Bowser. Attends, mais là du coup t'es en train de... Déjà eux on peut les tuer, ouais nickel. Mais attends, est-ce qu'on peut faire ça? Oh la toute puissance du roi Koopa. Oh là 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 là. Paf! Mais attends, par contre, alors du coup avec elle, on est d'accord, ça ne fait rien. Donc là ça fait rien. Là ça fait rien non plus. Ouais, donc en vrai c'est encore de l'esthétique là. Bon, ouais. Tu as battu Bowser et Bowser. Je sais pas si ça marche. Bon, je pense que non, du coup, vu que c'est un boss, mais ouais. Et let's go. Et finalement. Mais attends, mais c'est moi ou elle est en train de lui faire un grand pente sur le... La cinématique est incroyable. Bon, je vais voir si on peut pas choper l'oiseau là. Ça y... Oh là 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 là, le crochet du doigt sur le petit oiseau. Ah, attendez, là, on va essayer de faire la route forcément N%. Est-ce que je peux choper ça à travers la griffe, genre? Enfin, oh là là. La griffe, ça permet de récupérer les lunes aussi, hein. Est-ce qu'on peut entrer dans un tuyau avec ça? Non. Alors, ça m'extermine, mais en vrai... C'est quoi, j'ai pas envie de faire ça. J'ai envie de récupérer des lunes un maximum avec Bowser. Hein. Attends, mais là, du coup, attends, si je vais là... Mais oui. C'est insane ça par contre de pouvoir faire ce saut là. Attendez, on va revenir par là. Ça marche pas ça? Ah, ce tuyau là ne marche pas alors que pourtant c'est un tuyau pixel. Attendez. Attends là. Ouais. En vrai je suis pas loin hein. Eh, je suis... Ça me frustre. Oh oui. Bah alors, c'est comme ça qu'on fait. Avoue, tu y pensais pas. Toi-même, tu n'y croyais pas. Du coup, je peux pas rencontrer Bowser. J'ai pas... Du coup, il est mort, genre. Oui, il faut que je retourne le prendre. Ah! Softlock? Bon bah... Ça se trouve, il y a un bug qui fait que si tu te téléportes, tu peux pas reprendre un Bowser. Donc attends, je vais aller chercher à la mano. Ah. Et donc ça, c'est bon. Voilà. Là, on peut rejouer. Et bah, let's go, en vrai. Oh là là, est-ce que ça marche ça? Ah oui, ça marche. Et par contre, on notera le travail du modeur qui met une plateforme ici qui n'existe pas normalement pour pouvoir faire ça. Ah, apparemment, s'il met ça, c'est un indicateur en mode... Tu peux pas si t'as pas fait ça. Ah ouais. Hein. Bowser, peut-être, il est résistant au poison violet. Effectivement, attends. Ah ouais. Mais non. Ah bah tiens. Bah ça, frérot. Comment elle va, tata?
Bah non, je comprends. Ouais, de ouf. Non, mais ouais, t'as trop raison. Bah tiens, les plateformes. Mais merci, Fuzzy. Allez, direction le royaume du lac, plus communément appelé Lake Kingdom. Verra s'il nage à Lake. En vrai, j'ai ma petite idée de ce qu'il a fait à Lake, du coup. Ah, c'était sûr. Tiens. Mais y'a plus d'eau. Donde está la agua? Para el general. Mais non. C'est incroyable ça par contre. Il a avancé la truc pour que je puisse la choper de là. Attends, elle est où la dernière charte du coup? Et je la vois pas là. Normalement dans le jeu elle est là, mais du coup il l'a bougé. Où est-ce qu'il a mis? Dans la bulle en hauteur. Ah, tu l'as mise là-haut, genre quand t'es là-haut là. Alors non. Ah, attends, non, par contre, c'est abusé, ça. Je suis rentré, donc je peux sortir. Mais, I'm stuck, step bro. Mais quand tu rentres, tu peux sortir. Ah, par contre, du coup, attends, pour remonter, c'est chaud. Je suis obligé de faire ça. C'est bon. Ah, celle-ci. Mais oui, bien sûr, cette lune-là. Direction Wooded. Mesdames et messieurs, vous êtes arrivés à destination de Wooded Kingdom, le royaume de la forêt. Vous êtes disponible, bien évidemment, avec la possibilité de grimper aux arbres. Merci. Ah, il a mis des blocs sur la droite là. Attends, j'ai envie de voir si on peut pas faire sans ça. Oh là là, j'ai pas besoin de tes blocs, moi. Ah. Bon, là, en l'occurrence, le problème, il est de taille. C'est-à-dire que là, non, je suis censé monter là-haut. Je crois que là, je vais bien lui faire foutre, quoi. Mais attendez. Ah, mais... Et voilà pourquoi il a pas fait de chemin, c'est parce qu'on pouvait passer là en fait. C'est quand même terrible ça. Ah, pin, 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 pin. Ok, donc ça c'est bon. Qu'est-ce que... Ça va la plante? Tu vas bien? T'as les crampetés un peu, non? Petite maladie génétique, bah j'ai bien l'impression. Panam, pam, panam, pam. Bah ça va frère? Ah, vous deux, vous allez bien genre... ça me termine. Oh, attends, bah alors là par contre le soleil doit pas être évident. 1, 2, 3. Alors on rigole, hein, mais à mon avis ce saut là... Hein? Comment ça? Qu'est-ce que quoi? Mais t'as créé un skip dans le speedrun là frérot hein? What the f... Qu'est-ce qu'il a fait? Je me suis retrouvé là-haut. Le skip du double... Ah mais vraiment, même Tyrone il fait pas ça hein. Oh le truc de... Non, pire erreur de ma vie. Pire erreur de... Vous savez ce qui est drôle? Le fusil est très fort. Je peux me téléporter hors de vous. Et ouais, j'ai modifié les Fuzzy. Ah bon, on va aller les faire. On va voir ce qu'il a fait là. Déjà, il n'y a pas d'eau. Fout de la gueule. Mais il les a tous modifiés différemment, JPP. Il a pété son crâne, je suis mort. C'est des paillassons. Ouais, bah. Moi, je me suis pas les pieds sur ça. Hein. Ça pique un peu. Hein. Et j'en profite pour vous dire que cette vidéo est sponsorisée par Onka Starai. Merci. Hein. On s'en fout! Tu t'en fiches de savoir si cette vidéo est sponsorisée, toi qui regardes ces vidéos. Toi, tu veux du butin, des gros pecs. Moi, c'est Mas. Et je suis là pour te poser une et une seule question. Des explosions? Vous connaissez toujours pas Onka Starai? Putain, mais vous m'avez toujours pas écouté la dernière fois ou quoi, bordel de merde? C'est le jeu de Space Fantasy de Hoyoverse. Mais depuis la dernière fois, il y a une mise à jour. Et vous savez quoi, les gens? Il y a un nouveau personnage 5 étoiles qui vient de débarquer. C'est Argenti. Et non, je parle toujours pas du caillou gris, putain. Je te parle d'un personnage qui s'habille de façon trop stylée. Comme moi. Et qui a les cheveux rouges. Pas comme moi. Et en plus, il a une grosse lance. Comme moi. Dans la version 1.5, vous pourrez tenter de gagner le personnage 4 étoiles, Anya. Un personnage de tes physiques qui suit la voie de l'harmonie. Mais non, putain. Je parle pas de cette demain en galaxie. Suivez un peu, bordel. Et avec la nouvelle mise à jour 1.5, vous pourrez explorer une nouvelle zone. La zone vue peu flamme. Enfin, je veux dire, vue peu flamme, putain. Mais c'est toujours pas fini. Avec cette mise à jour, on va encore avoir un autre caillou gris qui va redébarquer. La louve d'argent, putain. Si vous l'avez loupé la dernière fois, c'est sûrement parce qu'elle vous a hack. C'est vraiment pas de chance. Et parce qu'ils sont vraiment sympas dans cette sponsor. Si vous connectez pendant 7 jours, vous allez recevoir 10 passes spéciaux Star Rail. C'est-à-dire que vous allez peut-être pouvoir choper Argenti ou la louve d'argent direct. Ça serait quand même incroyable. Utilisez le code présenté à l'écran et en description pour obtenir 50 jeux stellar gratuits et télécharger le jeu si c'est pas déjà fait. Et du coup maintenant, il me reste plus qu'à vous dire d'essayer de comprendre ce qui se passe dans l'histoire. En modalité d'un magasin participant. Il a mis Bowser quand même. Il a mis un gros tuyau là, ok. Il y a encore un Bowser là. Ça marche comment ça? D'accord, je prends pas de dégâts. Pas de dégâts non plus. Ouais, donc il va falloir le faire. Il va falloir le faire classique quoi. La poêle. Plein coup de queue pour Nesquik bien sûr. Hop là, c'est pas aujourd'hui qu'il me fait bifler. Alors il m'avait dit, Lost tu verras c'est marrant. Alors est-ce que c'est parce qu'on peut marcher sur le poison et du coup on sait déjà? Ou est-ce que c'est parce qu'il a changé quelque chose et du coup il y a une dinguerie genre? Faut pas faire faisable ce saut là.
J'ai des doutes sur la non-faisabilité de ce dernier. Oh là là, bah oui, évidemment. C'est le bout de la map, vas-y, petite exploration avec Bowser. Bah grosse exploration, hein. Et en vrai, la map est petite, hein. Imagine faire coucou à Klepto. Et allons voir le Klepto, ça se trouve, il est mort, genre. Il a carrément supprimé Klepto. Il existe même pas. Miskin, hein. Il a fait une indigestion de Capi. Bah j'espère bien, hein, parce que vraiment, ce... je déteste, hein, Klepto, hein, vraiment. En Klepto... Oh la typo, c'est incroyable. Ah, il est si content. Dans le métro, tu peux faire le impossible jump ou pas? Tu parles du saut impossible qui n'est pas impossible. On peut tenter, hein, mais bon, je suis pas sûr, hein. En fait, je suis étonné de à quel point le mode marche. À quel point le mode, il a pas envie de crash, quoi. Ça paraît compliqué, ça, en vrai, hein. Et salut à tous dans ce nouveau numéro de J'explore Métro. La dernière fois, c'était dans Mario Odyssey avec des super pouvoirs. J'ai exploré la phase crépusculaire de Métro. Et là, je suis dans une zone, mon frère. Je n'ai rien à foutre là, hein. Par contre, je suis trop curieux, ces tuyaux qui sont là, ils servent à quoi? Ah mais ouais, il y a des murs et tout, normalement. Comment Mario prend pas juste Peach et se casse avec elle? Très bonne question, finalement. Là? Bah du coup, au final, ouais. Au final, adieu Bowser, hein. Ça va être un boss qu'on va faire normal, hein, par contre. Attends, alors là, maintenant, la question qu'on se pose toutes et tous... Je peux le faire. Il y a quand même une fois où sur Mario Odyssey Superstar Mode, là, j'étais resté littéralement 2h30 en stream sur la même lune. Jusqu'à temps qu'elle finisse par passer, et elle est passée, hein. Et là, voilà, en fait. Voilà pourquoi on n'abandonne pas dans la vie. Bah, tu vas faire du scooter et Bowser. Non, non, bah non, ça sert même pas à quelque chose d'essayer. Regardez le move de dégénéré mental. Hein. C'est comme ça qu'on joue et pas autrement. Hein. Mais pourquoi? Voilà, merci. T'as appris à tanker des trucs, hein. Hop là. On peut faire la snowdram aussi. Ah ouais. Alors, je pense qu'en fait, quand il disait qu'on peut faire la snowdram... Ouais, voilà. La snowdram, la snowdram, la snowdram. Ah ouais, hein. Ça c'est nos snowdrams, mais jamais, jamais tu fais ça, hein. Jamais classique, tu peux t'amuser à faire ça, hein. Alors par contre, est-ce que ça, je vais pouvoir le faire? Parce qu'en vrai, elle est haute, hein. En bec. Mais au final, Bowser est si imposant et pourtant il ne pèse pas un gramme. Vraiment. Attends. Mais non. Mais attendez, il a fait ça? Non, t'as pas fait ça quand même. Il est trop fort. Il est trop fort, en fait. Oh non, mais c'est incroyable ça. Bon, c'est incroyable, mais par contre, il a quand même voulu faire du platforming, quoi. Voilà, un plaisir. Mais par contre, du coup, ah oui, mais du coup, attends. Parce que là, du coup, je récupère cette lune, mais ça tue Bowser. Mais c'est pas grave, en vrai. Parce que de toute façon, ici, il n'y a plus rien à faire. Et normalement, on est censé aller là-bas. Donc ça devrait le faire. Hein. Est-ce qu'il peut tuer ça? Oui. Mais est-ce qu'il peut tuer ça, genre? Non, ça, c'est increvable. Hein. Et là, oh là, la baston. Grosse baston. Grosse baston, là, bien évidemment, Bowser qui détruit absolument tout. Hop, d'accord. Attends, est-ce qu'on peut... Alors non. Ah par contre, il a mis 1. Non. Est-ce que ça veut dire que du coup... Ah, ça marche pas. Alors, je sais que normalement, si tu mets 1 ou 0, ça fait que si t'as... Alors, donc en l'occurrence, ce que je vous, ce que je m'apprêtais à vous expliquer en disant que ça marchait pas, c'est que s'il y a un, tu vas dessus, ça marche, en fait. Car au final, plot twist, Bowser et Mario sont des Goombas. Hein. On savait, hein, mais pourtant, c'était pas forcément évident pour tout le monde. Hein. Voilà, pour Snow. On a réussi à faire Snow avec Bowser du début à la fin, let's go. Bowser, il a mangé beaucoup de Big Mac. Alors, à mon avis, c'est plus du muscle que du grain, hein, ce qu'il a, hein, tu vois. Donc, à mon avis, je pense qu'il te met une mandale... tombe très très vite par terre, mais genre sale, genre vraiment c'est lui qui te dit tu tombes sale, mais c'est moi qui vais à la salle. On peut détruire les poissons comme ça, quoi. Il y a plus d'eau d'ailleurs, hein. Ça va, mec, t'arrives, mais du coup tu suces quoi? Attends, c'est moi, il... attends, il lui a retiré l'eau? Non, c'est moi ou il lui a retiré l'eau de sa flûte? Genre il boit rien, en fait. Il a pas d'eau, il a rien, il est assoiffé, en fait, le joncule. Le pauvre, il peut rien faire. Le fusil, il aime pas l'eau, en fait. J'avoue, dans tous ces modes, il retire oh, on va faire cette lune là oh, je sais, là il y a un truc, là il y a un truc, il y a même une grosse anguille. L'anguille... Tiens, là, voilà, t'as peur, hein. Hop là. Et là, on arrive au monde, le pays de la cuisine, El País de la Cocina. Alors, attention, 1, 2, 3. En vrai, cette lune-là, je pense qu'il faut faire le tour, hein. Enfin, c'est là, genre. 1, 2. Dis-moi, madame, c'est que, voilà, vous n'avez jamais vu un ombré aussi imposant que Bowser. Déjà, il a des bras, par rapport à ce que vous avez l'habitude de voir. Mais permettez-moi quand même de douter de la capacité des Goombas de vous procurer des surprises, quoi. Va dans la lave pour voir si ce que ça lui fait. Alors, 100%, il meurt pas de la lave, lui. Voilà, c'était sûr. Il s'en bat les coups du poison, donc du coup, il s'en bat les coups de la lave. Voilà, en plus, on peut y aller comme ça, comme un gros Chad. En mode, tu vas défoncer Spiwart.
Et puis par contre on est obligé de le faire comme tous les boss en fait, on est obligé de le faire classique. Let's go. À force de tomber dans la Bowser a acquis une immunité, j'ai l'impression. Alors est-ce qu'il a fait ça? Alors oui, du coup vu qu'il y a un Bowser là. Vu qu'il y a Bowser là, je pense qu'il l'a fait. Alors par contre du coup, je le dis là, pourquoi ne pas faire cette salle? Parce que regarde, Shop Senna, classique. Et là en fait, hop là, aucune difficulté hein. Cette salle est la plus facile que j'ai jamais faite de ma vie hein. Ah ouais. Ah là forcément cette salle là, une facilité déconcertante. Je sais pourquoi mais Bowser me fait penser à Godzilla. C'est tellement original du coup, vu qu'en fait les deux crachent du feu, les deux ont le même skin quasiment. Donc on va se demander même si Bowser est pas inspiré un peu de ça. Là c'est pareil, on va monter là. Quoi? Mais non, attends. Alors soit c'est un bug, soit il nous a fait une immense masterclass là Fudi. T'as pas fait ça? Oh, c'est incroyable. Mec, c'est incroyable ce que t'as fait. Par contre, attends, ça marche que dans un sens? Et c'est-à-dire que si je vais là-bas, je meurs? Alors, en l'occurrence, j'ai l'impression que je continue d'avancer là, hein, par contre. Hein. Et là, en fait, tout de suite, un ornithorynque. Est-ce qu'il y a une death zone ici? Ah non, il n'y a pas, hein. Il a pensé à tout. TP-toi, qui me dit. Mais c'est incroyable. C'est même pas genre redémarre le jeu et... Plaît-il? Comment ça? Alors, il n'y a même pas la triple lune, mais comment ça? Qu'est-ce que je fous là, moi? Pourquoi il y a El Pollo, là, qui me regarde, là? Qu'est-ce que je fous là? Non, mais du coup, c'est chiant d'aller là-bas, en fait. C'est pas pratique. Attends, il va falloir faire le kéké inversé. Alors, c'était pas ça du tout, le move. Mais ouais. En tout cas, on a bien fait le kéké, et c'était le plus important. On revient là. En gros, tu fais ça. Et là tu quittes Bowser et tu fais ça en fait. C'est ça qu'il veut qu'on fasse. En mode comme ça, tu reprends le contrôle ici. Et là tu fais ça et tu chopes ta lune en fait. Est-ce qu'on peut monter là-haut ou pas? Là il y a des fromages normalement qui sont assez hauts genre. En vrai, avoue que là, bah oui évidemment que ça passe. C'était sûr. Attends, est-ce qu'il peut péter le fromage? Ah ah! Bah alors? Bah... Tu le savais ça Fudi? Qu'on pouvait péter le levier qui est là? Oui. Heureusement c'est pas un problème et je peux choper la lune à travers la cage hein. Ah non tu l'as pas pété? Si si. C'est ce que j'ai passé ma main à travers en fait pour la choper c'est tout. Attends, en vrai, est-ce qu'on peut faire ça? Mais pourquoi ça marche pas? Bah non, on s'est pas craché du feu. Pas les mêmes boules de feu? Non mais oui, mais genre c'est bizarre qu'ils considèrent juste pas que c'est du feu en fait. Attends, en vrai, vrai homme passe comme ça. Vrai homme, prends le steak. Attends, non on peut pas. J'allais dire, est-ce que je peux escalader le truc comme ça? Mais non ça marche pas. Donc il reste encore Wind, Japan et Moon. Je suis curieux de savoir si à Moon, il a fait en sorte qu'on doive faire la cave obligatoirement. Ou s'il a fait en sorte qu'on puisse faire le Moon Skip. Bon, on va être obligé de faire le dragon avec Mario. Hop là. Il est très bizarre ce skin, je trouve, quand tu roules. C'est vraiment chelou. Hein. Il y a un délire hérisson un peu. T'es un peu Sonic, mais sans la vitesse, quoi. Mais bon, mais qu'ils finissent par oublier la cave. Bah non, mais bah, t'inquiète que oui, on l'oublie tous. Mais genre, en soi, Fuzzy n'est pas un speedrunner. Donc, il pourrait très bien me forcer par tel ou tel moyen de faire la cave. Il serait capable, hein. On connaît, hein. Il aime bien faire des petites subtilités comme ça. Ça, il aime bien, hein. Donc là, je pense que ça va être le monde où on va le plus jeter Bowser depuis le début, hein, vraiment. Hop là. Hop là. Alors, on va voir ici. Ah, ça, vraiment, ça m'extermine de devoir toujours voir le Bowser qui se barre comme ça. Ben non. Hop là. Hop là. Oh, les toppers. Hein. Ah, topper, Ariette. Hein. Finalement, les grands classiques, c'est la tomate rognon. Hein. Super, j'ai pris deux dégâts sur lui, vraiment. Aïe. Là, il me... D'accord. J'espère que... Alors, plusieurs choses. Déjà, de 1, qu'est-ce que je fous là? De 2, j'ai oublié de finir ma phrase parce que je sais plus ce que je voulais dire. Mais... Allô? Allô? Allô, le jeu? Oui? 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 Non, mais du coup, on peut même pas passer. Mais non, mais... Ah, si. En plus, je peux prendre cette lune-là. Oh, la dinguerie. En plus, du coup, on a Bowser en arrière-plan sur la tête de Bowser. C'est incroyable, ça. Attends, mais c'est là qu'il faut aller. Hop là, c'est le Bowser Skip. Bah ouais, on a jamais skip Bowser Kingdom comme ça. Hein. Ça me termine vraiment qu'on termine comme ça. Alors attends. Hop là. Hop là. Nickel. Petit fast mecha des familles classico-classiques salade tomate rognon. Je le sais, vous le savez absolument, tout le monde le sait, je vais pas me faire karma. Est-ce que c'est facile le fast mecha? Personne peut louper ça. Un peu déçu qu'on puisse pas faire le fast mecha avec Bowser, c'est qu'il a testé que les boules de feu, etc. ça marche pas. Une fois de plus, la team Broodles s'en va vers d'autres potagers. On est avec Bowser. Et apparemment, il n'y a pas la gravité lunaire avec Bowser. Est-ce qu'il a retiré, par contre? Non. Ok. Donc, Bowser n'a pas la gravité lunaire, mais Mario, là, à prendre en compte au cas où. Hop. On peut aller là, genre. Attends, est-ce qu'on peut les hag, là, un peu? Salut. Non, on peut pas. Par contre, est-ce que lui, il peut péter ça? Non, il peut pas péter ces trucs-là qui tournent, ok? Donc là, maintenant, le moment de vérité. Est-ce que Futi va me dire, va te faire foutre, il faut passer par la cave? Ou est-ce qu'il a changé ici? Et genre, soit il a mis plusieurs sphinx pour monter, soit il a mis des blocs.
Aucun des deux. Ah mais oui, mais évidemment qu'il a fait ça. Bah oui. Oh, le moonskip. Le moonskip, attention. Attention, le moonskip. Hop là, let's go. Ça me termine, hein, vraiment. Il a pété son crâne avec le changement de gravité. Il a vu que c'était possible, il s'est dit, je vais le mettre partout, genre. Par contre, je me demande, est-ce que la zone 2D, du coup, après, dans la zone de l'escape, on va pouvoir la faire avec Mario? Ce serait marrant, ça. Oh, mais attends, oh, la confrontation, là. Ah, du coup, ça marche pas. Attendez, faut qu'on fasse un truc pour la science. Ah merde, non. Je pensais que la cinématique, c'était que quand tu rentrais dedans, et pas quand tu juste ouvrais la porte. Attends, quoique... C'est incroyable ça. Yes, we want nous pour tous vous détruire et vous matar à todos. C'est là. Mais toi et moi. Mais yes, oui, toi. Mais nous sommes nous. Mais il ne comprend pas ce qui se passe. Bon, alors, ça va être un combat classique, hein, finalement. C'est des jumeaux, c'est un peu ça, hein. C'est genre l'histoire du petit frère qui veut se venger du grand frère et vice versa, genre. Si Fusil a modifié l'escape, je meurs de rire. Je pense pas qu'il a eu le temps de faire ça, en vrai. En vrai, dans l'escape, tu contrôles déjà Bowser. Donc, comme le mode, c'est contrôler Bowser en soi, voilà. Par contre, je sais pas si à l'escape, on va pouvoir quitter Bowser. Hop là, voilà. Ok, donc là, on peut contrôler Bowser là-bas. Donc il a mis Bowser, pour l'instant, rien n'est changé. Donc là, du coup, on contrôle Bowser, c'est bien. Mais moi, ce que je veux savoir, c'est après, là. Regardez bien ce qui va se passer maintenant. Là, je vais péter ça. Classique. Et là, je veux tester ça. On peut pas. C'est marrant, ça, quand même. Mais on peut contrôler Mario, quand même. Baiser, ah oui, non, mais là, je suis mort. Attendez. Y a pas de rebord non plus. Hein. Ouais, y a pas le truc qu'on fait avec le 2D skip skip là qu'on aurait pu grab potentiellement pour monter dessus. Tant pis. Bon, on aura testé. Au moins, on aura testé ça. Maintenant, Mario meurt alors que la lune s'effondre. C'est ça. En sachant que Peach elle est morte je sais pas combien de fois dans cette vidéo, vraiment. Hop là. 2D skip 1. 2D skip. Vrai homme fait 2D skip. Vrai homme fait 2D skip 1. Voilà. Hop là. XD skip. Classique. Indétrônable. Oh, il se passe quoi si on quitte pour prendre le truc et on s'échappe avec Peach? Tout le monde veut savoir ça. Hein. Genre, je laisse Peach et Bowser sur la lune. Ouais, qu'avec Mario, c'est ça. Enfin, n'a pas de pain. Alors là. Et on verra. Ah, mais on peut pas. C'est un truc spécial. C'est trop grand pour qu'on puisse le prendre avec que Mario. Au moins, on le sait. Hein. Attends, mais on reprend tout depuis le début là. Ah, tu reprends là. Mais moi, je pensais que tu reprenais à la salle de l'escape en fait quand tu mourais. Ok, ok, ok. Voilà. Là, c'est le moment. Et là, maintenant. Comment on a terminé Mario Odyssey avec Bowser du début à la fin? Pff, un mode fait par Fuji, exclusif, et je vendrai pas les droits à bande d'en... Avant la fin de la vidéo, je tenais à vous repréciser que tout ceci a été diffusé sur Twitch. Vous pouvez me retrouver en live de 18h à 19h du dimanche au vendredi, ou encore à partir de 14h le samedi, au moment de la sortie de cette vidéo. Vous retrouverez le lien en description. Je vous remercie d'avoir regardé.